base. C'est la base. Hein. Les gars. Ouais, top 8. Les gars, c'est la merde. Quoi ? Bah ouais, on a perdu Lucas et Fidi. On a plus de casteurs, les frères. Ah. Mais comment c'est possible ? Bah écoute, je sais pas, j'ai plus de réponse d'un côté ou de l'autre. J'ai l'impression qu'il va falloir trouver des autres gens. Est-ce que vous avez des idées ? De ouf, hein ? C'est compliqué, hein ? Ouais. En plus, une annonce sur le bon coin, peut-être ? Ah, ouais, peut-être. Après, on a du time, je pense. Peut-être regarder, hein. On a au moins, au moins 10 jours, quoi. Bah écoute. Ok. On va voir, hein. Allez, j'ai des gens. One day later. Bon, les gars. On a eu un problème là, est-ce que vous avez des solutions ? Bah, moi j'y réfléchis et j'ai trouvé un profil d'un mec qui a l'air intéressant. Il s'appelle Ender en vrai. Et je pense vraiment qu'on peut faire quelque chose avec lui. Ender GG a 21 ans. Il était OTP Garen, son pseudo se prononce Ender GG et il n'est chat restrict que jusqu'en 2026. Ouais, moi Regan, j'ai contacté quelqu'un. Je pense qu'il peut faire le taf. Il s'appelle Pokaron. Et ça va le faire. Pokaron a 18 ans. Il déteste jouer à Dekari. Il a un top 60 speedrun de solitaire. Et les gens se trompent toujours sur son pseudo. Bah écoute, moi j'ai peut-être quelqu'un, mais c'est comme moi quoi. C'est un gars, on n'est pas sûr que les douches elles soient très très solides. Hein. Après, c'est un bon gars, donc pourquoi pas. Urus a 28 ans. Il aime se prendre pour Timo. Il se trouve dans les oreilles de vos casters. Et il adore un truc qu'il choisit, mais qui n'a rien à voir pour que ce soit drôle. Mais c'est pas un caster. Ah ouais, mais bon, chacun de vous a droit à son padawan, donc pourquoi pas moi. Pas faux, ok. Ok, d'accord, donc du coup ça ferait deux casters et une régie, je vais peut-être manquer quelque chose quand même les gars, j'ai peut-être une idée. Alucard. Alucard a 26 ans, il galère avec le rang Emerald, il a commencé LoL il y a 2 ans, et il déteste les AD Carry en top. Comme tout le monde finalement. Alors les gars, prêt pour 2024.